Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion d'une autre Sobérie. Déjà ma tablette qui me casse les pieds, on est bien. Alors, on commence bien, parce que, regarde la petite connasse, c'est laquelle déjà celle-là? C'est Nuage. Bah oui, c'est la deuxième, donc c'est Nuage, qui me casse déjà les pieds à cause de son monstre de mes couilles. Mais, regardez cette grosse tignasse bouclée. J'ai relooké dans mon coin la petite Perlouse. Perlouse Touzouze. Regardez-moi cette jolie demoiselle qui cherche pas encore un mec mortel. Hein. Ça devrait peut-être arriver, mais pour l'instant, comme on ne sait pas c'est laquelle qui va gagner pour la place de l'héritière, eh bien on ne sait pas. Donc voilà la demoiselle. Hein. Bon, j'ai pas changé son physique. Hein. Il changera de lui-même parce que la génération grise devrait être très sportive. Donc bah, elle va perdre son bidou. Ah, on croirait qu'elle est enceinte, mais non. Donc, dès aujourd'hui, je vais la foutre au sport parce que ce sera obligatoire pour cette génération. Et voilà, bon, elle est en gris, elle a les cheveux gris, elle habille en gris, c'est la classe. Tu vas rien bouffer du tout? Tu retournes au lit? Non, mais oh, et oh, comment c'est pas me casser les pieds? Qu'est-ce que... Retourne à tes... Elle grandit quand, elle, celle-ci aussi? 4 jours. Oh, c'est long. Qui c'est qui se marre? Mais qu'est-ce que tu fous debout, toi? Ah oui, c'est vrai, elle avait cramé, elle. On avait été à la plage, elle avait cramé. Tronche! Elle est toute cramée, mon Dieu, on dirait moi. T'es déjà... Ah, il est 7 h du matin, un dimanche, et t'es déjà là. Bon, ok, bah écoute-toi, vu que tu sers à quelque chose, tu vas nous servir le petit-déj. Du pain perdu! Allez, tu nous vas nous faire... Attends, le brunch, non, on peut pas? Non, bah non, c'est tout de suite le petit-déj, hein, dans les Sims. Le brunch, à partir de certaines heures. Pas avant ni après. Ok, citizen à toutes. J'ai trouvé long d'atteindre le potentiel max du physique pour l'aspiration. Je sais plus si je l'ai déjà fait. En général, quand il y a un truc sur le Notsoberi, je le fais. En fait, je l'ai jamais fait. À part la carrière scientifique que je l'avais déjà fait, j'avais jamais été au max. Bah, de la politique, j'avais jamais fait cette carrière tout court, même, ou quasiment. Regardez-moi le petit pull-cotte, tout bronzé. Ça fait bizarre hein, de le voir bronzé comme ça. Hein. Tu vas pas manger les trucs saucisses là, non? Non, non. Alors, et lui? Parce que lui, il a tout qui est bon. Tout qui est bon pour avoir sa promotion. Donc on est très content. Et tu vas aller au pipi. Il faut aussi que je fasse, que je bosse sa compétence bricolage. Donc il va la faire. Bon, et toi, tu vas pas commencer à choper. Non, tu attends que ta mère elle finisse de faire à bouffer. Ça y est, vous commencez déjà à m'agacer un peu, non? Voilà. Tu pourrais aussi ramener ça là, hein. Je sais pas, tu. Hop. Toi, tu. Non, lui, il a pas faim. Elle va avoir faim. Hop. Toi aussi. Voilà, petit déj en famille. Elle est cramée, ça me fait trop rire, quoi. T'as pas suivi, c'est quoi comme challenge? Je connais pas du tout le Notsoberi. Salut Switzen, comment tu vas? Notsoberi, bah écoutez, ça si des gens débarquent aussi sur cette vidéo, c'est un legacy challenge sur 10 générations qui est basé sur des couleurs. Et tu vois que Pulco, il a les cheveux jaunes pipi. Ce n'était pas sa couleur de cheveux naturelle. Je me souviens plus d'ailleurs quelle couleur il avait à la base. Je m'en souviens même plus, tellement c'est loin. Lui, il a été la génération jaune, c'est pour ça qu'il est habillé de jaune et un peu de blanc, histoire d'eux. Et ses enfants sont de la couleur grise. Donc, comme on ne peut pas avoir les cheveux gris en tant que bambin et enfant, il n'y a qu'à partir de l'adolescence comme Perle qu'il va l'avoir. Et chaque génération a des objectifs précis à atteindre, comme le fait que Pulco doit avoir niveau 10 en compétences de bricolage, de fuséologie et... De logique, parce que le logique ça passe avec son aspiration qu'il doit réussir, c'est qu'on a déjà fait. Il faut qu'il ait la carrière astronaute et qu'il soit au niveau 10 de la carrière. Et on est au niveau 8, parce qu'on s'est fait chier à aller à la fac pour pouvoir atteindre un niveau très élevé tout de suite. Ce qui n'a pas été facile parce que je m'étais plantée et j'avais pris un truc. Voilà. Mais on y est arrivé, on est au niveau 8 et il doit. Voilà. Normalement, au prochain jour de boulot, on devrait quand même avoir la petite promotion. Ce qui est plutôt pas mal. Et voilà la Perlouse.
La première née, qui est déjà adolescente, elle a un visage très joli qui ressemble à sa mère. Pulko, c'est carrément un Sims différent au départ, genre, c'est plus le même du tout, il a changé à mort. Ah ouais. Franchement, de ouf. De ouf. En plus, là, avec le bronzage, j'avoue que ça fait. C'est encore plus bizarre, quoi. Je le reconnais même pas. Regardez-moi, ce beau mec. Ouais, son père était déjà très beau. Mais. Aïe, 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 quoi. Mais pourquoi tu as vaporisé? C'est le matin. Ah bah il est encore là. Tu sais que c'est pas ton lit ça, cocotte. Bon bref, voilà. Et là, on a eu trois enfants sur cette génération, parce qu'on avait le choix, cette génération ici. Alors que Pulko, il est fils unique. Parce que la génération rouge de son père, on pouvait avoir qu'un seul enfant. Donc bah c'est Pulko qui est arrivé. Et alors, les prénoms, c'est les abonnés qui ont choisi. Parmi une base que j'aimais bien, évidemment, parce que quand même, je peux pas autoriser tout et n'importe quoi. Tu casses les pieds. Après, tu iras à la douche et pisser, tout ça. Et en fait, dans notre Sobéry, on commence avec la génération menthe. Puis génération rouge, puis génération jaune, puis génération grise. Et celle d'après, c'est la violette. J'ai hâte. Parce que j'adore cette couleur, bien sûr. Bon, tout le monde a mangé? Pardon. Écoute, toi, t'iras pisser. Toi aussi. T'iras à la douche aussi. On va commencer à s'occuper. J'ai toujours pas changé la cuisine, c'est ça qui est merveilleux. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Mais... Les enfants. Elle a vieilli, Nathalie. Non. Non, non, elle est encore jeune adulte, elle vieillit dans 4 jours. Pulko est devenu un beau gosse. Ah, il a toujours été, sauf qu'il fallait révéler sa beauté. Quand il est devenu ado, je pariais pas beaucoup, hein, parce qu'il avait une sale tête. Hein. Et au final, beau mec, hein. Comme son père. Il a fallu qu'il mûrisse un peu, et puis tranquille, Emile, quoi. Bon, c'est MK... Vous arrêtez de me casser les pieds avec votre monstre? C'est bon, là? Tu vas rien enlacer du tout. Tu vas aller à la douche et tu vas pisser. C'est quoi ce monstre-là qui dure jusqu'à 10 h du matin, là? Mais tu vas te calmer, toi. Ouais, va prendre ta douche aussi, toi. Allez. Tu vas te calmer. Bon, Pulko, par contre, s'il te plaît, arrête de faire le débile avec ta truc de poupée. Tu vas aller faire du sport. Tu vas... Un entraînement épique, vous savez, c'est là quand il a fait apparaître ses abdos la dernière fois. Ouh, grâce à cette machine. Donc on va y retourner. Et elle, dès qu'elle... Bon, elle est prête. Eh ben, va faire du sport, cocotte! On commence dès maintenant à faire le sport. J'imagine même pas la paire de loches. Comment ça? Quelle... Attendez. J'ai triché pour avoir des beaux gosses, j'ai pris un héritier de Don de chez Grimm. Bah, t'as bien raison, hein. J'ai carrément des jumeaux comme... Bien sûr, j'ai rarement. J'ai lu carrément. J'ai rarement des jumeaux comme tout le monde est là quand il faut un enfant pour la gêner jaune et ben mon dieu fait du jumeau. Ah punaise, l'enfer. Non, vous êtes à l'abri, commencez pas à me casser les pieds. Va falloir que je ferme. Je pense que je vais devoir fermer. Parce que la salle de sport en fait, hein, elle est comme ça. Allez, on va faire un peu de construction. Je vais fermer la salle de sport. Parce que. Déjà, j'ai même pas mis ici, ok. Voilà, je vais rajouter un petit caral. Comme ça, ils seront bien à l'abri, ils seront contents. Lapin content. Pouf, paf, pif. Hein, c'est bon. Je rajoute un petit bout de toit. D'ailleurs, parce que... Voilà. En fait, j'aurais pu faire ça. Ça aurait été mieux pour rajouter un toit. Clac! Regardez cette grâce incroyable et cette graisse aussi un peu. Hein. Après, je ne suis pas mauvaise, non, parce que je suis moi-même remplie de graisse. Donc, ce n'est qu'une constatation. Qu'est-ce que je vais mettre? Une porte, on s'en fout en fait. Une porte! Une porte, sachant qu'il faut pas trop que ça. Qu'est-ce que c'est encore là? Pourquoi? Arrêtez de venir chez nous là, les gens. Vous êtes chiants au bout d'un moment, quoi. Alors, voilà. Une porte. Et puis, je vais faire
Une magnifique fenêtre. Oh bah écoutez, comme ça, il y aura de la lumière. Au bout du tunnel. Est-ce que je l'ai mis à la bonne hauteur? Oui, c'est bon. Ça, ils vont arrêter de me casser les pieds. Ils iront faire du sport quand je leur demande. Je sais, c'est dimanche. Oh mince, j'ai le truc qui a bougé. Oh, je peux pas pour y aller. Tu me casses les pieds. Voilà. Allez, go, Ronaldo. Tu vas me faire ton entraînement. Dépêche-toi. Ok. Voilà, c'est un peu plus cosy. Enfin, ou pas, parce que c'est que des briques. Bon, tu te pointes, Georgette? Alors, Perlouse, du coup, je lui ai mis deux tenues de sport, parce que comme on va la voir souvent en courir, tout ça, du coup, ça vous met un peu plus de... Hein. Imagine quand elle sera enceinte. Attendez, elle a une super paire de Robert, la petite Perlouse. Ah oui, j'avoue. Ah, tiens, ça de sa mère, hein. Sa mère, elle en a des sacrés déjà. C'est qui la grise? Bah, c'est Perle. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai relooké Perlouse. C'est Perle, c'est l'adolescente. La première née. First of her name. Celles font les gamines. Vous avez fait vos devoirs, tiens? Pourquoi pas, j'ai une lubie comme ça. Ah ouais, zut. Bah toi, tu vas faire tes devoirs, tiens. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Toi, t'as des trucs à faire. Vas-y, tu vas corriger les copies. Parce que maintenant, elle a un travail, la petite Nathalie. Nathalie a un boulot. Elle est professeure, assistante. Elle est déjà au niveau 2. Et puis, bah, elle va travailler un petit peu, quoi. Pulco, il fait du sport parce que j'imagine que pour la promotion niveau 10 de la carrière, il va encore falloir gagner du fitness. J'imagine. Après, c'est pas grave si c'est pas le cas. J'aurais avancé. Et du coup, ben, comme je sais que ça va tourner énormément autour du sport pour Perle, ben, je la fais courir déjà. Sachant que, bah ben, ouais, elle a pas fait ses devoirs, donc faudrait que je lui fasse. Faudrait que je lui fasse ça après. Pour le sport, tu peux lui faire courir pour se vider l'esprit, comme ça augmentera le contrôle. Oui, je sais, Elisa, mais là il pleut, donc ils vont pas vouloir courir dehors. C'est pour ça que je la fais courir là à l'intérieur. Je suis que 4 kits. Bah c'est déjà bien, hein. Y'en a qui en ont pas. Salut Sweetson, Sweetson. Tu as raté quoi? Rien. Rien. J'ai juste montré la tronche de Perle relookée. Voilà. Cette flotte. Oh, elle fait le même regard que son père, regardez quand elle court. C'est génétique, vous pensez? Ah là là, une cette belle génération. Bon, pour l'instant, c'est bien. Elle fait ça. Après, elle ira faire ses devoirs, quand même. Ah oui, elle avait trouvé les doigts de Tsunami. Puis c'est très bien, quoi. On avance. Elle échoue. Bah oui, elle échoue. C'est notre Soberry, Quentin. Pourquoi elle fait du sport et elle doit aussi chanter, il me semble. Non. Gris. Alors, aspiration bodybuilder, trait de caractère actif, crasseux, aime la musique, carrière athlète, maximum de la compétence chant, éducation et fitness. What? J'avais oublié, donc oui, elle doit chanter. Bah écoute, elle commencera par parcourir, puis c'est très bien. Voilà. C'est comme ça, maximum de la carrière athlète, compléter l'aspiration bodybuilder, avoir 3 échecs amoureux avant de se marier. Oh, c'est chiant. Se marier avec un sim, c'est un trait de caractère propre. Alors, les enfants, vous pouvez me créer des adolescents masculins avec un trait de caractère propre. Vous me les partagez sur la galerie Not So Shirley et je les installerai sur la map en espérant les croiser. Que ce soit l'une des trois, on s'en fiche parce que... On s'en fout. Du moment qu'il y en a une des trois qui va en rencontrer un, et puis voilà, ce sera évidemment celui-là qui... Voilà. Merci à Cyril pour le follow. J'ai du retard, c'est un peu parce que j'ai pas beaucoup de réseau, du coup ça coupe. Ah, ok, t'as tout, pas de soucis. Après, vous le faites dès que vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant tout de suite, mais c'est sûr que ça aide.
Du moins, faites-moi des beaux mecs adolescents avec le trait de caractère propre, comme ça aidera. Parce que va savoir s'il en existe là dehors et il faut en trouver un. Hein. Mais elle est cramée, ça me fait toujours marrer. T'as fait tes devoirs là? Enfin, tes devoirs. Tu vas pas créer des mots interdits, non, je te le dis. Elle a fini. Bah, c'est cool. Bah ouais, elle a fini de se faire ses corrections. Alors, toi, cocotte, si c'est pour jouer au chat, t'as bien raison. Mais viens jouer au chat sur le canapé. J'ai envie d'envoyer ta mère sur l'ordi, là. Carrière, éducation. Ah, voilà. Créer un plan de cours, c'est très bien. Carrière, éducation. Donner un cours particulier en ligne. Ah! Communication, on avait déjà fait, on avait gagné des petits sous. Bon après, on sait pas qu'on a besoin d'argent, mais bon, elle a fait ses cours, c'est très bien. Après, t'iras faire une jolie petite douchette. Ah non, le téléphone, s'il te plaît. Voilà, c'est pas obligé quoi. Et lui, mon petit pulco, ma petite pulcote chérie, viens manger. Va manger un truc, là, t'es tout stressé, là. Oh mon dieu, l'orage. Oh mon dieu, l'orage. Ça y était. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais rentre! Dépêche-toi. J'ai pas envie que tu te chopes un éclair sur le coin de la tronche, ce serait pas drôle. Hein. Et, tu vas manger. Allez, hop, ça, c'est très bon, miam, miam, miam. T'as de la chance, ça me fait envie. Du coup, je rebascule le live sur mon tel. Pas de soucis. Comment on fait des échecs amoureux? Bah écoute, tu dois, je pense, faire sortir être petits amis et après tu romps en fait. Mais ce sera volontaire, genre c'est moi qui vais devoir dire bah je romps alors que c'est pas le Sims avec qui ma Sims sera, tu vois. Faut que ce soit nous qui soyons l'origine de la rupture, je pense. Dommage, on refait le stock de BG sur la galerie. Oui, après vous pouvez mettre des filles, hein. Comme ça va fertiliser de faire plein de bébés partout. Donc vous pouvez me faire des parents avec leurs adolescents ou un groupe d'adolescents. Pas trop à la fois, pas 8. Sinon ça peut être chiant s'il y a trop de Sims dans le même foyer. Oh ma pulcote! Vas-y, aide ta fille à faire ses devoirs. C'est vrai que... Waouh! La vache! Elle est bien fournie à ce niveau, hein, j'avoue. Je viens à peine de commencer un Sims qu'elle me crame la maison. Je suis désolée, Saphir. Je voudrais des ados, moi aussi. Bah écoute, tu pourras te servir après. Je voulais faire l'ado et là, je me tape une mise à jour. C'est peut-être pour ça hein, que ça marche pas. Peut-être qu'il y a une mise à jour à faire. Ado, t'as tout, parce que comme elle vient de passer ado... Oh, les responsables, mais c'est super. Et que les deux autres ne le sont pas encore, comme je sais pas laquelle sera héritière, eh bien, je préfère taper sur l'adolescent. Après, si ça se joue un ou deux jours près avant que le mâle devienne jeune adulte pour l'une d'entre elles, c'est pas grave. Mais, qu'est-ce qu'il y a? Ah, oh, t'es chiante. Vas-y, prendre une douche. Mon petit pulcote. Tu vas te prendre un bain, toi. Oh là là, qui c'est qui en a mis plein? Vas-y, prends un bain de mousse. T'es tout éreinté, mon chou. Après, on va la faire chanter. C'est combien en... Vas-y, viens, 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 viens. Viens ici. Viens ici montrer tes talents à ta sœur et à ta mère. C'est 5, non? La compétence chant, c'est 10. S'entraîner à chanter. Voilà un de ses looks. Ouais, je lui ai déjà mis des talons parce que je trouve ça joli. Moi, j'en porte pas un. Hein. Ouh là là. Aïe aïe aïe. La la. Non, c'est pas ça, señorita. C'est pas ce hashtag-là qu'il faut mettre. C'est Not So Shirley. Rien à voir. C'est quoi une mage Sims? Bah, c'est une mise à jour avec Origin sur les Sims. Toujours quand je fais une pause Sims, j'ai droit à une mage. Ah, c'est possible. Pour créer perso, y a-t-il des packs que tu n'as pas? Non, j'ai tout. Mes oreilles. Pour le chant, tu pourras chanter sous la douche. Oui, je sais, je sais.
Oh la vache. Blue ma fesse, blue ma fesse. On peut rien faire quand elles sont enfants, hein. Ah, c'est pas drôle. Pourquoi il y a une de... C'est parce qu'elle a trop sué? C'est une blague? Et elle regarde sa sœur en train de chanter. Ouais, c'est ça. Alors, c'est pas terrible, hein, pour l'instant. Parce que même si je les fais chanter, elles vont pas. C'est pas. Il faut attendre qu'elles soient adolescentes, en fait. Oh là 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 là. Tu me casses les oreilles, hein. Ça augmente, mais. Après, il y a la compétence éducation. Bon, allez. Ouais. On va attendre qu'elle soit au niveau 2. Et après, j'essaierai de faire un peu d'éducation avec avec ses sœurs. Demi fa sol. Elle est au niveau 2, là. Ok, c'est bon. Tu t'arrêtes là. T'es gentil, mais tu t'arrêtes là. Alors. Tu vas éducation, mettre au lit. D'accord, tu n'as pas beaucoup de ouais. Ok, bah, tu vas aller manger, tu vas épicer. Pour l'instant, au niveau éducation, on pourra pas lui faire faire grand-chose. Hein. Salut Delena! Pour le chant, il y a 10 niveaux. Oh la vache! C'est beaucoup. Angel, ouais, enfin, je suis game changer que depuis le mois de janvier. Hein. Ça va, c'est pas non plus comme si c'était tous les autres. Je les ai achetés quand même, presque tous. Salut Simon, comment tu vas? On peut proposer deux persos, une femme et un homme, sans qu'ils soient en couple, bien sûr, bien sûr. En fait, mais je veux des, en tout cas, je veux des mecs adolescents qui ont le trait de caractère propre. Voilà, c'est tout ce que je demande. Ah, il va faire son petit pipi. Non, Gwen, on s'en fout. Pourquoi? Ah, c'est parce que j'étais dans la fusée, d'accord. Il travaille le lundi. Bon, ben, je croise les Didi. Tu vas me faire un petit entraînement quand même. Il va s'user à la tâche, le pauvre. Il va être tout queuse. Il va être squelettique. Toi, t'es encore en forme. Tu vas me faire un petit pipi? C'est bien, elle y va comme une grande. Et... T'iras me faire ça. Voilà. On n'attend pas, nous, hein. On n'a pas le temps de niaiser, hein. C'est la télé qui fait du bruit. Ah oui, c'est les zombies. D'accord, j'ai eu peur. Ah, vous voyez pas. Voilà, les zombies. Elle a cassé Pulco, elle a cassé le PC. Bon, Pulco, il est... Bah, écoute, tu vas aller réparer ça, parce que de toute façon... Ah, réparation instantanée. Ouah! Il est tombé où celui-là? Il est tombé là. Mais pourquoi on a un plan de poubelle? C'est une blague? C'est-à-dire que notre femme de ménage, elle nous a même pas nettoyé le plan de poubelle? Qui est morte d'ailleurs, donc je sais pas depuis combien de temps c'était là. L'angoisse. Est-ce que tu peux améliorer le PC? Je suis sûre que tu peux améliorer le PC. Toi, t'es trop fort. Bricolage. Améliorer. Usurpateur d'adresse IP. Oui. Améliorer. Meilleure carte graphique. Allez, mon petit. Bidouille, bidouille. Hein, tu dois toujours atteindre le niveau 10. Ah, on s'y approche. Hein. Encore quelques... moins de 30... moins de 40%. Tu as la machine de karaoké pour être plus vite. Ah oui, c'est vrai. Je fais ça ce soir les ados, je vais en faire aussi pour le mien. Pas de soucis! Merci Elisa! J'allais l'écrire, j'ai dit c'est vrai, je vous ai pas donné le hashtag. Not so Shirley. Elisa l'a écrit dans le chat. Tout simplement. Ça va Simon. Excuse-moi, je. Sinon tu récupères celui de Shirley, comme ça elle aura. Elle les aura aussi. Ah bah oui, hein. Faut être à moi, hein, quand même. Sachant que normalement,
les Sims de ce monde-là, c'est vous qui les faites. Hein. Après, bien sûr, il y a des Sims qui ont été ajoutés par le jeu. Bon, ça, c'est un Sims. Bon, ça, c'est fou. On va le savoir. Elle vient encore chez nous, elle, je le sens. C'est ceux de Marie qu'elle m'avait fait, qui sont donc, du coup, les parents de notre petit Pulcote. Alors que elle, par exemple, je suis sûre que ça vient du jeu. C'est le jeu qui l'a généré. Mais normalement, les Sims de cette partie sont des Sims que vous avez créés ou leur descendance. Clémence Garnier, c'est possible. Ouah, le profil. Mademoiselle, non. Ah, c'est non, voilà. D'accord, là, il n'y a personne qui travaille, ok. Mais normalement, c'est vous qui faites les persos et les voisins et tout ça d'une autre Sobérie. Et tu vas manger, tu vas pisser. Qui c'est qui s'énerve, là? C'est toi, là, alors, cocotte? Eh, hey, oh, 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 qu'est-ce qu'elle fait? Mentir sur la carrière, mais arrête! T'es chiante! Qu'est-ce qu'elles ont, ces gamines, là? Va t'entraîner. Ouais, voilà, je savais qu'elle allait venir chez nous. Voilà, t'es au sec. Allez, vas-y. Ouais, arrête de dire des gros mots, là, je t'ai vu, hein. S'entraîner pendant 7 heures sur 8, sachant qu'il faut aussi qu'elle réussisse. Voilà. Il faudra qu'on aille dans une salle de sport. Bah, tu vas entraîner à soulever des charges lourdes. De toute façon, t'es obligé d'y passer, cocotte. Donc, toi et tes sœurs, vous allez vous enchaîner. Mais c'est chiant, là, les orages, là, non? C'est pas un peu relou au bout d'un moment? Tout le monde part se coucher? Bah, écoute, tu pourras aller dormir assis après. Mini, dormir, c'est pas sur le lit. Déjà, tu vas aller aux toilettes. Pulcote, il a terminé. Pulcote, tu peux aller au dodo. Regarde, ta femme, elle est partie dormir sans toi. Elle t'a réchauffé le lit. C'est un chauffage central. Et t'iras au lit après. Mais sérieux, mais... À peine elle touche le chiotte qu'elle le casse, elle. Elle met même pas un bout de fesse. Elle a tout cassé. Puis elle est buggée, parce qu'elle a son truc là. Attendez. Je vais la débugger un coup. Tac. Voilà. Dormir. Allez. C'est bon. Allez. Merci, Georgette. Et il ne pleut plus. Quel bonheur. Une des filles de Pulco. De Pulco est devenue ado. Oui, tout à fait, Sweetson. C'est Perlouse. Perle. Oups. Perle, va dormir. Va... Niveau 3 déjà. Hein. J'avais oublié. Je pensais qu'elle était déjà partie dormir, mais en fait, c'était pas le cas. Perle est devenue ado. Voilà. La journée des phares s'est terminée. Oh non, tu vas pas me casser les pieds avec ton monstre. Hein. Oh, c'est pas vrai. Vas-y, fais une sieste. Je m'en fous. Nuage, tu vas dormir. Allez, c'est bon. Va au lit. Pour l'instant, elle a encore le bidou. Hein. Le bidou de maman. Voilà, voilà. Et oui, c'est bon, j'allais dire, elle fait sa sieste, mais c'est normal, c'est moi qui viens de la mettre à la sieste. Je vais galérer pour les noms et prénoms, par contre. C'est pas grave, ça. Dans ce cas-là, concentre-toi peut-être sur un nom en rapport avec le gris, vu que ce sera le copain ou le mari, peut-être, d'une des trois filles de la génération grise. J'ai envie de dire, pourquoi pas. Putain, mais c'est encore les orages, là. Oh, et... Ah non, elle est... Il est 6h du matin. Allez, tu vas prendre ta douche et tu vas manger un truc. Ça va être l'école. Allez, les gosses, à l'école. Qu'on soit tranquille, un peu. Avec leurs monstres, là. Je t'en fous des monstres, moi. Va à la douche, toi aussi. Allez, hop. Allez, vous lavez le cul. Mais non, mais bon, c'est chiant. Là. Entre les monstres et puis le bazar, là. Les orages, c'est un peu chiant. Non, alors tu vas sûrement pas aller au... faire des barbecues, hein, moi, je te le dis. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se préparer un chili. Tu vas aller au travail. Ça va aller passer super vite parce que tout le monde part en cours ou au travail. Donc ça, la journée, elle va faire comme ça. Je vais avoir le temps de rien faire. Pulcote, il est réveillé.
Pulcote, il dépote, tu vas pas faire la vaisselle, on a une femme de ménage qui arrive tout à l'heure. Tu vas simplement aller chercher dans le frigo quelque chose à becter, ouais. Hop là. Alors, on avait des plats déjà faits, hein, mais monsieur, il préfère bouffer des biscuits animaux qui demandent aucune préparation. Repas équilibré! Espèce d'idiote. On va bouffer de la terre, bah tiens. T'en boufferas assez quand tu seras morte. Padadam! Pshhh. Et j'ai surtout des vampires, j'adore le côté obscur. Ah, d'accord! Bon, j'aime bien aussi. Après, là, notre Sobéry ne requiert pas d'avoir des vampires et tout, donc c'est très bien. Arrête avec tes mots là! Elle va en cours. Ok, c'est très bien. Mini part à l'école. Tu vas réviser. Toi, tu vas travailler dur. Qu'est-ce qu'il y a? Mais si, elle va faire pipi. Mon petit bout de chou. Toi, tu vas te faire des amis. Toi, tu travailles dur. Toi, tu vas réviser aussi. Alors, attends, Pulcote. T'as besoin énormément de divertissement. Est-ce que ça te divertit de réparer les toilettes? Vas voir, c'est super fun. Et hop, on est à combien de bricolage? Oh, punaise, on est à 89%. Oh, my god! Allez, tu vas regarder la téloche. La télé. Ça va aller mieux. C'est vrai que la dernière fois, on avait cramé le tapis. Le tapis avait cramé tout seul. Et Pulcote va au boulot dans 1 heure. Avec normalement, j'espère, une promotion pour arriver au niveau 9. 5732 simflouz de facture. C'est énorme. Il faut forcément que les noms. Non, mais non, Quentin, pas du tout. C'est. Je sais pas qui c'est qui a dit qu'il avait pas d'idée pour les prénoms. Soit je me dis, tu peux faire un nom qui a un rapport avec le gris si tu sais pas. Bah, une grosse pente peut pas attendre, ça va. Tant qu'elle n'a pas trempé son sandwich dans les chiottes, ça va. Hein. Ah, Pulco est beaucoup trop heureux là. What? L'éclair, il est passé à travers la maison et. Mais quoi? Mais flûte! Eh, tu vas bosser, mon chou. Là là! T'inquiète pas, tu crains rien avec ton scaphandre là. Ah là 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 là! Attendez, je mets sur pause parce que il doit travailler dur, c'est nickel. On a déjà la femme de ménage qui arrive. Parce qu'il faut absolument qu'il ait sa promotion. Ça monte. Se faire des contacts. Se promener dans l'univers. On va regarder Madame faire le ménage. Découvrez les bourses! On s'en fout. Tu m'as déconcentré, gars. Et oui, elle ne fait plus peur, la femme de ménage. Peut-être qu'elle est chauve, mais elle n'a plus son point d'interrogation sur la tête. Ce qui est beaucoup mieux dans la vie. Au pire, je te mettrai mes héritiers gris avec le très propre gris et silver. Je sais pas. Ah, bah, c'est bien! C'est bien! C'est quoi le truc que tu appelles propre? Bah, j'en sais rien. Ah oui, soigné! Bah, pourquoi c'est écrit propre dans le. Oh! Oui, c'est soigné, je pense, mais bon. Ouais, je sais pas. C'est pas moi qui ai écrit les règles, hein. C'est écrit comme ça dans le forum. Tu t'es payé à rien foutre, toi? Elle se pose la question. Qu'est-ce que je veux bien faire? Alors, il n'y a personne pour une fois. Du coup. Je peux glander, je vais faire facturer plus quand même, c'est pas grave. Ah, d'accord, elle va passer la serpillière ici. Il n'y avait plus d'eau à l'intérieur. Et si la femme de ménage se prenait un éclair, ce serait rigolo, hein. Ah, Nuage a rencontré Vincent et Minnie a rencontré Vincent également. Et elle s'en va. Voilà.
Et Pulco a toujours sa petite promotion qui doit l'attendre. Du moins, je l'espère. Jusqu'à 18h. Mais dans les règles, c'est écrit propre. J'ai pensé après, c'est soigné vu que la génération grise est crasseux. Ah, mais oui! Ah, il fait beau! Enfin! Oh, c'est joli. Ils vont tous bien mieux aller maintenant que nous n'avons plus l'orage qui me transcende les oreilles. Hein. C'est paisible, c'est agréable. Prof, c'est une traduction de Nietzsche. Ouais. Il a bien changé Pulco. Ah oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en bien. Je vais discuter avec les collègues. Ah, projet scolaire pour tout le monde. Youhou! Alors, les girls. Ça, elle est rentrée dans sa sœur. Il y a elle qui se dit. Mais qu'est-ce que j'ai dans le cul? Oh, elle est belle cette photo. Hop. Mais qu'est-ce que j'ai dans le cul? Ou même dans ce sens-là. Qu'est-ce que j'ai dans le cul? Ah! C'est ma petite sœur. T'arrêtes, oui, de me mettre la tête dans ton cul. C'est les sœurs. Qu'est-ce qu'il y a? Elles sont folles. Ok. Bah tu vas manger. Et après, tu feras un truc. Qu'est-ce qu'elles ont les deux là? Tu vas bien? Eh bah tu vas Juvamine. Parce que quand tu vas bien, c'est Juvamine. Oh, tu vas me faire ça dans l'entrée. Allez. Oh, ça tombe, ça tape dans mon plafond. C'est incroyable cette histoire. Ah oui! Oh, double tape. Ah bah oui. Quand même, hein. Faut pas oublier, hein. Mais toi, tu vas aller pisser, te divertir un petit peu, et puis tu me feras ça après. Pas déconner, non? Mais arrête de nous coller, toi! On veut plus de toi! On t'aime pas! Dégage, la vieille! Ok. Alors, elle est revenue de son taf. Magnifique, tu peux payer les factures, s'il te plaît. Salut, merci Castor. Castor, oh, j'adore Castor 974. Et bienvenue à toi. Bon app, señorita. À plus, Céline. Elle est devenue jolie perle. Bah oui, hein, je l'ai relookée. Hein. Ça, c'est parce que j'ai du goût. C'était mal barré, hein, pourtant au départ, hein, mais pourtant. Et pourtant, elle était belle, le client. Elle ne voyait qu'elle. Pour l'instant, on a toujours la promotion. Tu vas aider ta fille aînée. Et puis, après, on ira aider les autres. Parce qu'avec la forme de visage qu'elle avait, j'ai vraiment trouvé que cette coiffure-là qui lui allait bien. Elle est habillée comme une adolescente. Ça me fait rire. Mais pourquoi t'es stressée? Oh non, il n'y a pas encore un orage là. Oh putain, c'est pas vrai. Ah, c'est bien saison, hein. Mais sauf quand il y a des orages tout le temps. C'est super chiant. Ah bah oui, elle est sous la flotte. La gosse, elle est reléguée dehors. Mais. Oh, nuage et. Responsable. Non mais vas-y, vas-y, j'ai du cœur. Reste pas sous la flotte, rentre. Rentre. Je vais te le foutre ailleurs, moi j'en sais rien. Vas-y, vas-y. Hop. Non, pas mettre dans l'inventaire, tu vas me le continuer. Voilà. Finalement, il n'y a pas besoin d'avoir autant de place hein, pour le truc. Hop, pichette. Oh là là, attendez! Promotion, promotion! En tout cas, je l'espère. J'attends l'arrivée de notre héros, Pulcote. Peut-être qu'il l'aura pas. Yes! Aïe! Tout, 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 tout! Niveau 9!
de l'astronaute. Niveau 9, regardez comme il est beau et sexy. Tu es beau et sexy. Oh, on dirait que tu vas te faire enlever par les aliens. Super. Je vais me faire une. Ah, et. Voilà, profil. Miniature, elle est là. Comme ça, YouTube, il a l'habitude de voir la miniature en direct. Promu au poste de shérif des étoiles. Il gagnera désormais 166 simflouzes de plus par heure, soit 418 simflouzes de l'heure au total. Oh, astro-lapin au-delà de l'infini. Je suis amchoukte. Et donc, on doit bien avoir niveau 10 de fitness pour avoir pour la promotion. Donc, c'est un peu du caca, hein, sans vous cacher, au niveau des règles, parce que je trouve que deux fois de suite, sur deux générations, faire deux fois le maximum fitness, c'est un peu relou. Puisque lui doit y être, et une de ses filles aussi. Donc c'est chiant en fait, un petit peu. Tu vas apprendre à manger, hein, je vais te choisir toi-même un plat. Tu vas me prendre ça, c'est très bien. Et tu regarderas la télévision. Vous avez fini? Bientôt fini. Après, elles iront aider les deux autres gamines. Waouh! Super! Vas-y, tu mets dans l'inventaire. Et tu vas aider ta sœur. Et tu vas aider ta fille. Voilà. Oh, Pulco! Qu'est-ce que c'est beau! Oh là là! Salut Castor! Je me suis collé à la base pour un autre streamer, puis j'ai vu l'agent Charlet, puis j'ai pensé au Flaubert. Ben oui, c'est moi! Merci beaucoup, bienvenue à toi! Trocas animé de ouf! Eh, il resplendit! Merci Sweeten! Un mec en costard, c'est toujours beau! Ah oui, j'avoue! J'avoue! Mais là, c'est mi-cuisinier, mi-homme de l'espace. Parce que, en fait, ça me fait penser à un truc de cuisinier un peu. Ça, il prend du bon temps, lui. Hein. Il regarde. Ah bah, c'est nouveau ça, c'est les Pokémon. C'est nouveau ça, le truc à la télé là, qu'il regarde. Me souviens pas avoir vraiment vu ça. Il regarde quoi? Pré-ado. Ah oui, donc non, ça doit pas être si nouveau que ça. C'est parce que jamais je regarde. Ah ouais. Ah, ah oui. Alors attendez, peut-être que vous voyez pas ce que je suis devant. Bon, il est resté grand enfant dans sa tête encore, Pulco, pour regarder ses âneries. Hein. Pardon. Tu peux mettre dans l'inventaire, Cocotte. Tu peux aller manger aussi. Bichette. Vas-y, divertis-toi. Après, je t'envoie au sport. Moi, il n'y a pas de pitié. C'est comme ça. Astronome des lapins. Ah oui, c'est ça son rang? Non, il est ranger de l'espace niveau 9. Mais ouais, il a gagné un truc avec les lapins, je sais pas quoi là. Qu'est-ce que tu fais à quatre pattes? Ah, elle aussi, elle a fini son projet, super. Tu vas pouvoir le mettre dans l'inventaire et tu pourras aller manger aussi. C'est très bien. Bah toi aussi, tu vas aller manger. Et puis tu vas regarder la chaîne actuelle, ou je m'en fous, tu fais ce que tu veux. Mange! Ah non, c'est vrai, il y a déjà quelqu'un qui a l'intention d'aller au frigo. Oui, bah écoute, j'y peux rien. Si t'as une gosse qui avait faim aussi. Hein. On attend. Allez, tu peux y aller. Vas-y, va chercher ton manger, puis tu regarderas la télé après. Pulcote! Est-ce que t'es en... Oh là là, quel beau gosse. Tu viens me prendre une douche tonifiante, s'il te plaît. Faut vraiment que je bosse sur son... Paul Fujita. Nous avons... Alors, mon petit, je suis désolée. Mais vu ton profil, je vais pas m'intéresser à toi. T'sais... Ouais, puis t'es un adulte, donc t'es beaucoup trop vieux pour mes filles. Ça, c'est fait. Tu vas me faire une petite course d'endurance après. C'est pas une question. Mais qu'est-ce que tu vas te coucher, toi? Eh, arrête! Mais ça va pas. Allez, non, pas en buée la douche. Tonifiante. Je lui ai dit, je vais t'envoyer au sport, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se coucher. En même temps, moi, personnellement, j'irai aussi. Je préfère aller me coucher que d'aller faire du sport, ça c'est clair et net. On dirait un pilote de ligne. Ouais, c'est ça! Pulcote, on dirait un pilote de ligne comme ça, c'est clair.
Bon là, il a changé de fringue, mais il est toujours aussi classe, hein. Toujours aussi beau, ce mec. Bordeaux, regardez déjà ça dans le premier logement. Ah, je m'en souviens plus, t'as une meilleure mémoire que moi, Pauline. Je suis pas la seule à penser ça. Deux. Costard, c'est toujours beau, bah ouais. Ça dépend quel costard. Si c'est trop large, c'est pas beau, tout ça. Comme c'est trop petit, c'est pas beau non plus. Et tu as fait la remarque de... Oh, ce sont les créatures du vide. Ah ouais, carrément. Je pense que les dessins animés sur les cartes vidéo peuvent acheter... Ouais, c'est ça, c'est les créatures du vide. Enfin, c'est les Pokémon, quoi. C'est bon? Allez, viens. Pas de pitié. Montre-nous ton corps de déesse. Bon, voilà, c'est sa deuxième tenue de sport. Au niveau des fringues gris, il y a quand même plus de choix quand elles vont grandir en tant qu'adolescentes adultes que ce qu'on a enfant. Donc c'est mieux. Oh, dis! Tes manières! Qu'est-ce que tu peux lui gueuler dessus? Discipliner, enfin... Punir. Ouais, on va pas la punir. Ferme. Dire de pas... De pas dire des mots, voilà. Niveau 2, cuisine gastronomique, tu nous fais quoi, là? Chips tortilla. Ah, elle a cassé la douche. Bon, bah, c'est pas grave, Fulco, il ira la réparer. Ça bonde, hein, ils sont en train de bonde les... Ah oui, bah regardez, elle a trop sué. Waouh! Regardez-moi ce body, comment elle s'est affinée d'un coup! Bon, elle a toujours du bide, hein, mais... Ça, c'est le bide de sa maman. Non, non, mais vas-y. Mais... Pourquoi t'es sorti? Alors, Pulcote, c'est bien, t'as bien fait du sport, je suis contente. Tu vas pouvoir me réparer ça. Est-ce qu'il y a d'autres trucs de cassé quelque part? Oh putain, il y a les chiottes dégueulasses. S'en fout, on a une femme de ménage. Et puis tu vas être couchée. Elle. Bah elle, ok. C'est quoi ça? C'est Boys Band? Un costard sans les chaussettes qui dépassent. Oui, c'est ça. C'est quand c'est bien serré, ça va. Oui, moulant, mais pas serré non plus. Il faut que ce soit ajusté en fait, que ce soit parfaitement à ta taille. Elle a fondu. Bah, grave! C'est le sport, hein! Mais comme de toute façon, ils sont obligés, les filles, d'avoir 10 en fitness. Ça va être simple, elles vont être toutes queuses, toutes musclées, toutes laisse tomber quoi. Ça, on va être jalouse, on va pleurer, hein. Sachant que c'est 3 nanas, donc c'est forcément une nana qui va devenir super belle. Et nous, on va pleurer. Et elle est crevée. Allez, tu vas pipi. Comme une championne, si tu veux. Et puis, tu vas te coucher aussi parce que t'es fatiguée, parce que tu travailles aussi demain. Et puis, la petite Perlouse. Ah ouais, vas-y, va te coucher. C'est bien, Perle. Elle kiffe, hein? Et c'est fini d'un coup. Ouais, mais il avait fait ça aussi, Pulco. En fait, il s'est relevé de ce truc-là. Mais vas-y, arrête! Ah, c'est incroyable, elle s'arrête plus. Il sorti de cette machine-là, il a fait waouh! Et c'est là qu'il y a eu ses abdos qui sont apparus. Regardez-moi ça! Le petit. Ah, par contre, elle a sacré boule, hein. La vache! Donc, dodo, je vais éteindre ça. Hop, ça c'est fait. C'est parti pour la nuit, en espérant qu'il n'y ait pas de monstre. C'est suffit là, ça y est, c'est bon, il n'y aura pas d'orage. Ah, j'en ai marre les orages, franchement. Là, jusque là, jusqu'au haut de la casquette. Hein. J'ai partagé un gars, mais si tu veux le trouver, il faut que tu actives les CC. D'accord, ok. Je regarderai. Bien sûr, sur YouTube aussi, si n'hésitez pas à partager vos Sims. Avec le trait de caractère propre slash soigné. Et le Notso Shirley. Évidemment. Mais elle aime bien se lever à 6h pile, elle. Hein. Très matinale comme gamine. Ah, putain. Ah, non, j'ai cru qu'elle allait me... Oh, tu vois, toi, tu récupères le chiotte dégueulasse avec des mouches et tout. Allez. C'est bien fait pour toi. Avec ton monstre, là, tu m'as cassé les pieds. Tu iras prendre une douche après. Une longue douche. Tais-toi. En plus, c'est elle-même une dégueulasse parce qu'elle ne tire pas la chasse d'eau. Oh, tu peux aller manger un truc. Un gâteau au chocolat. Bah, voyons. Tu iras manger aussi un truc après.
Les fish and chips. Vieillis dans 2 jours. Ok. Les autres font des gros dodos. Donc tout va bien. Dans le meilleur des mondes pour l'instant, en tout cas. Cours de mini perles et nuages. Très disparate comme prénom, c'est magnifique. Recommencer. Et trois pétasses. Salut Marie, comment tu vas? C'est pas toi la pétasse, hein, bien sûr. La magie des Sims. Comme t'as tous les miens, peut-être activé par CC. J'ai les yeux, j'ai les. D'accord, ok, je regarderai du coup. Ma Sims veut mourir après le feu, c'est le tonnerre qui la frappe. Oh la vache! La violence! Alors, toi, tu vas travailler, bien sûr. Tu peux venir faire à manger? Non, alors. Bon, les gamines, elles sont à fond là. Tu vas faire des toasts. Pulcote élevée! Ah, c'est trop fort la vie. C'est trop drôle la vie, hein. J'adore rire, hein, comme dirait une certaine philosophe très connue. C'est pas de la musique de Sims, c'est ça? Mais d'un truc que j'ai jamais eu, parce que genre c'est une extension île de rêve ou une connerie comme ça. J'ai rien dit, elle a pété, mais c'est pas ça, c'est. Toi, tu fais pas la vaisselle, on a une femme de ménage! Vivement que tu sois crasseuse, toi, hein, tu. Elle est sur la table du salon, comme d'habitude. Vas-y, joue avec émotion dans ce cas-là. Ouais, tu dois aller en cours. Bon, bah, c'est pas grave. Allez, en cours, les connasses! Oh, punaise! Elle a pas eu le temps. Meuf. Ouais, non, mais ouais. Mais au moins, va te prendre une. Attends, avant de prendre ta douche, je vais faire chanter sous la douche. Oui, je sais que t'as faim, mais tu pues. Je préfère que t'ailles à l'école en ayant faim qu'en puant la mort. Ça craint moins pour l'ego, ton ego, tu vois. Et puis tu vas aller en cours. Sans manger, tant pis. Regardez-moi cette BG. Regardez-moi cette bomba latina. Qui n'est pas latine du tout, mais... Alors... Réviser, réviser. Je ne mentirai plus jamais. Tu vas aussi réviser et après je vous ferai avoir des contacts. Des amis. Même si ça sert à rien parce que ce sera un de vos Sims. Oh, va au boulot toi. Qui sera futur copain. Futur copain. Le premier, le deuxième ou le troisième. On sait pas. Ça va, Pulcote? Tranquille? Tu travailles dans 1 heure? Mon chéri. Va courir parce que n'oublie pas qu'il faut atteindre le niveau 10. Hein. J'arrête. Il y a à manger. Ça n'a pas été mangé, ça. Hop, je le sauve. Ouais, c'est pas une assiette qui vole, tout va. Allez, mon petit Pulcote. Ah! Bah, merci les orages de nous avoir fait ce cadeau. J'ai cru que c'était encore une plante poubelle, mais non. C'était un cristal qui nous a déposé. Oh, regardez-moi ça, comme il est content! Il sue toujours à grosses gouttes, mais il est content. Qui c'est qui est mort? Ah non. J'avais cru lire tuer l'enfant responsable, j'avais failli cliquer tout de suite. Un autre enfant menaçait Nuage et lui a pris l'argent de son déjeuner. Bah oui, bien sûr que. Il faut défendre son gosse quand même, c'est quoi ses manières? Putain, ce cul! C'était la chaîne rétro. Ouais, la dernière fois j'avais mis que rétro, je pense qu'ils ont pas changé. Un peu vanné la journée, j'ai encore grand nawak à grand haine. Ah, ma pauvre petite bichette. Suluni! Musique des îles. Suluni! Il n'a plus le regard de tueur. Non, il a le regard content. Je suis content! Et toi, tu vas lécher les bottes du patron, tiens. Ah non, je suis chez elle. Tu vas travailler dur, ça fait pas trop monter. Discuter, voilà, tu vas discuter. Ça va vite hein, après, hein. Oh, va en cours. Va bosser. Va bosser, mon chou. Ah, qu'est-ce qu'il est beau. Regardez-moi ça. Po, 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 po. Qui c'est qui vient nous emmerder? Ah, c'est la femme de ménage. Hé, hey, Pulcote! Défonce tout.
Défonce-les. Tu vas plaisanter avec les collègues parce que t'es un bout en train. L'esprit de Christophe est en train de disparaître. On s'en fout. Voilà. Nous nous retrouvons seul à seul, nez à nez avec cette belle femme de ménage, toujours chauve. Ah, je vais ranger ça, tiens. T'appelles comment? Avani Fujita. Ah, mais c'est peut-être son fils qui est venu ou son père. Remarque, si elle est, elle est adulte, c'est peut-être son mari alors qui est venu là à la porte. Peut-être. Je sais pas, ou son cousin, son frère, j'en ai aucune idée, moi. C'est bientôt l'anniversaire de Notsoli! Notsoli! Tu vas te promener dans l'univers, ça fait rien. Tu vas te faire des contacts, ça fait rien. Tu vas représenter avec les collègues, ça fait rien. Et est-ce que tu travailles dur? Ça fait rien tout court. Alors, on va accélérer un petit peu. Suffisamment de temps depuis que Nathalie a abandonné l'université, elle peut à nouveau s'inscrire à des cours. Ouais, non, mais ça ira. Elle est elle-même professeure maintenant, tu vois. Enfin, professeure assistante. Voilà. C'est Not So Shirley, le hashtag. Comme Not So Berry, mais au lieu de Berry, tu mets Shirley. Pulcote. Tu mets les deux quoi? Oui, elle a un taf, Marie. Mais Marie, t'étais pas là la semaine. Ah non, t'étais pas là la semaine dernière. Ou je sais quand, je sais plus que quand est-ce qu'on lui a fait trouver un boulot. Mais oui, je crois que c'était la semaine dernière. Bah la petite Minnie étant devenue enfant, c'est bon, c'est dit qu'il fallait bien qu'elle serve à quelque chose, donc bah elle bosse. Et on est dans la carrière éducation, du coup moi ça me permet aussi de la tester. Vu que j'ai pas encore testé toutes les nouvelles carrières qui viennent avec à la fac. Donc voilà, elle est professeure assistante. Et ça va, c'est cool pour l'instant. C'est une carrière semi-active, je sais pas si tu l'as testée. Du coup, elle peut travailler à la maison ou aller directement au boulot. Bon, madame, il y a une plante poubelle morte ici, vous pouvez l'enlever, ce serait cool en fait. Eh ben non, d'accord, super. Merci. Donc là, ça va aller très vite. Je vais me concentrer quand même sur Pulcote, parce que quand même. Pour l'instant, il reste quand même mon héritier. Ah, voilà, performance bonne, c'est ça qu'on aime. Tu vas te faire des contacts? Non, pas trop. Alors, maintenant, elles vont se faire des amis. Parce que c'est l'après-midi. Et qu'il leur reste très peu de temps de cours. Donc, Ah, ça y est, il y a un mort. Gwen Dubois, on s'en fout, on t'aimait pas. Tu venais sonner tous les 4 matins à la maison. Et voilà, les gossettes, les triplettes sont revenues de l'école. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, jeter ça? Voilà. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Va faire caca. Allez, va faire caca. En étant en colère, c'est très bien. Et puis, tu vas aller te calmer dans le miroir où tu ne te verras pas. Et Minnie, elle, bah, Minnie, elle veut jouer avec son machin. C'est bien, je vais la laisser jouer un peu. Ça lui remonte. Après, tu iras manger épicé. Et la compétence 5 de la créativité. Parce qu'on est bien d'accord que là, elle parle à un mur. Voilà. Tous les matins, moi aussi, je parle au mur en faisant... Ça va, je suis bien coiffée. Ou pas. Oh, la putain ! Qu'on lui coupe la tête. Et Nathalie... Ah, je suis en Sims 3. Comment j'ai fait pour changer ? J'ai pas fait le raccourci, je les connais pas. Je connais pas les raccourcis, mais je l'ai activé. Tout va bien. Nathalie est rentrée. Nathalie! Écoute, truc éducation, c'est pas non plus un travail qui paye beaucoup. Hein. Alors, toi? Oh, ça va. Allez, tu vas jouer vite fait un peu à Big Block. Mince, j'ai oublié du... C'était à elle. Mais je lui ai mis la même coupe. Je leur ai mis la même coupe de cheveux aux deux là. Zut. je vais bien sûr les confondre maintenant, ça va être bien. Pulcote, il est triste maintenant, ça va faire baisser son truc là. Je touche pas. Comme ça. Ça m'énerve. Et puis toi, dès que t'es remonté un peu, tu vas faire tes devoirs. Il n'y a pas de raison. Et après tu retourneras au sport. Salut Castor, à bientôt. Merci d'être passé. Pour ta fée à domicile avec les profs ou juridiques, il faut un objet spécial, j'ai plus le nom. Ah bon? Pulcote est rentré avec 2926 Simflouz. Récré solitaire. Personne n'a voulu jouer avec moi. Bah, de toute façon, c'est tous des cons.
Allez. Pulcote! Oh, qu'est-ce qui... Oh, bon, là, il fait la gueule, mais regardez-moi. Si j'étais pas déjà en amour avec Billy Hargrove... Tu vas réparer les chiottes parce que ta femme... Ah, ils sont toujours pas mariés, c'est vrai. Ouais, peut-être que je les marie. En plus, j'adore les mariages dans les Sims, mais... Voilà, je sais pas marier. Oh! Oh! C'est trop bien! Regardez les animations! Il pose ses mains sur mes hanches. Bon, on verra rien, Pulco, il est tout brouillé. Mais regardez, il pose les mains comme ça, comme dans les films, en fait. C'est bien foutu, hein. Tu iras faire petit pipi. Et là, par contre, tu vas me faire une dose de... Parce que sinon, tu vas me casser les pieds pendant 2 jours. Ouais, mais on s'en fout, tu t'es crevé. Pardon. Ça y est, hein, coronavirus, hein. Vous-même, vous savez. Hein. Il est là. Il arrive chez moi. Toi, tu vas bosser? Tu vas corriger tes copies? On dirait une ado, hein. Elle va pas vieillir, là? Ah, pas encore. Dans 2 jours. Ah, bah, pareil que Nuage. Du coup, elle, on a encore 7 jours devant nous. Ça va, elle va manger. Parce que après, je dois vous envoyer au sport, les deux, là. Donc, faut peut-être que vous bougez les fesses. Hein. Obsession sportive, maintenant. Faut que je forme tout le monde. Ouais, Pulco, il faut qu'il atteigne le niveau 10. Et l'une des filles aussi. Donc, en attendant, je fais gagner du temps avec la petite... la perluse. Salut, Marie. J'ai mis le foyer que je t'ai créé dans la galerie, tu n'as plus qu'à aller voir. Merci Quentin, c'est gentil. C'est bien connu que les profs sont pas riches. Oui, j'avoue. Peut-être en engageant un jardinier. Pour faire quoi? Pour les plantes? Nous, on a été obligés d'afficher des mesures de prévention contre le coronavirus. Ah ouais? Bah ouais, mais en même temps, tu peux travailler avec des personnes âgées. Ce sont des personnes fragiles. Donc c'est logique, en fait. Ça me choque pas plus que ça que t'aies dû faire des trucs de prévention, c'est normal. Je me suis trompée. Donc tu iras faire pipi. Avant. Puis tu réussiras haut la main tes devoirs. Toi aussi. Et elle les fait. D'ailleurs, si t'as pas besoin de papillons et de tout ça, tu le laisses à tes sœurs. C'est bientôt l'anniversaire du nuage! En parlant de nuages, on n'a plus d'orage, c'est merveilleux. Mais c'est laquelle qui devait manger? Bah écoute, toi tu vas manger. Tu continues, Pulco, parce que je veux pas que tu sois emmerdé avec ces trucs pendant 10 ans. Là, il faut absolument qu'on ait la promotion. Enfin, on vient de l'avoir, mais le plus vite possible, ce sera le mieux, quoi. Mais en plus, elle harcèle, hein. Elle est morte, mais elle harcèle. Allez, c'est bien, les gamines, elles ont déjà fini leurs devoirs. Tu vas regarder la télé. Et puis après, un entraînement épique, mon petit. Oh, les femelles! Les femelles. Qu'est-ce qu'elle a? L'anxiété de la promotion. Mais ça va, meuf, tu te débrouilles bien, regarde, un moyen que tu aies encore une promotion, hein. Elle est choupie, hein, quand même. En fait, comme là, elle a maigri, son visage aussi a maigri. Et elle est mignonne, elle est mignonne et elle est comme sa mère. J'ai hâte de voir la tronche des autres filles. Vas-y. Oh, arrête, Pulco, c'est bon. Bon, j'ai aucune pitié dans cette partie. Il n'y en a aucun qui me fera pleurer. Et tu vas me faire une petite course d'endurance après. Montrer ton boule. Brrrah ! Oui, ça arrive chez nous, c'est l'hécatombe insurée. Pire que... Ouais, bah tu m'étonnes. Je te fais 2 sœurs et 1 frère. Très bien, Quentin. Bonne nuit, Pauline. Tu lèves jusqu'à quelle heure? Jusqu'au bout de la nuit. J'en sais rien. Je sais pas. Alors là, c'est pas très intéressant ce qui se passe. Hein. On va aller voir Pulcote. Ah bah, les sportifs. Les sportifs de haut niveau. Toi, il est concentré ton père là. Concentre-toi toi-même aussi, hein, par contre.
Fais ta regarde. Mais t'es pas maladroite toi, fais ton regard de tueuse. Elle est concentrée. Est-ce que t'es plus con que centrée, Nathalie? On sait pas. T'as terminé, t'as fait tes trucs? C'est parfait. Tu sais ce que tu peux faire aussi? C'est servir le dîner. Chili végétarien. Allez. Oh mon petit pulcote! T'iras manger après. Enfin non, tant que ta femme fait à bouffer. Alors! Oh punaise, on est vraiment à 10% du bricolage d'être arrivé. Hein. Là, je fais à fond sur le fitness. Ah, on arrive quand même presque au niveau 9. Puisque ça fait la promotion après son taf, comme il travaille que 4 jours par semaine. Ça va vite. On est déjà au troisième jour après, là, donc... Mais là, il aura pas le 10e point de fitness. Il l'aura la fois prochaine, quoi, pour le lundi qui arrivera. Mais c'est bon, c'est assuré. Hein. Là, du coup, il reste quoi à faire? Bah, le niveau 10 de la promotion, donc niveau 10 de fitness. Et niveau 10 de bricolage. Hein. J'ai tout fini avec Pulcote après. Et niveau 4 de fitness pour la petite perle. Oh là, il en a eu marre. Elle va manger. Il est parti! Tu peux arrêter de manger, de parler. Mais de où vous dormez, vous? Ah oui, non, il est minuit. J'ai pas l'attention. Excusez-moi. Excusez-moi, j'avais pas vu. Bah, c'était tellement éclairé, en fait, dans cette petite truc que j'ai pas vu qui était minuit, en fait. Bon, allez, tu vas aller pisser, te doucher. On va prendre un bain, c'est très bien. C'est bien, Perlouse, t'as bien assuré. Regardez-moi, elle a encore maigri! Elle a un de ses boules. Laisse tomber. Qui c'est la débile, là? C'est elle, là. Je lui ai dit, tu fais à bouffer. Et elle le fait pas. Mais... Bah écoute, mange, t'as raison. Non mais mange, vas-y. Non mais mange. Une fatigue, ces Sims. Va manger tes portions de pâte à l'ail et t'iras te coucher après. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Vas-y, laisse ta mère tranquille, va te coucher. Vas-y. Elle est partie dormir dans la baignoire. Tu vas te noyer, cocotte. Hein. Ouais, hop. T'iras prendre une douche demain matin, c'est pas grave. Et merci beaucoup, Shine May, si je l'ai bien dit, pour le follow et bienvenue à toi. Toi, je t'ai dit de dormir. Et toi, je t'ai dit de dormir également. Pulcote, il est déjà au lit, c'est très bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange? Non, t'étais. Ouais, enfin, vas-y, on s'en fout. Et t'iras dormir également. Un petit peu de musique? Ouais, ouais, d'accord. Électricité. Remaivette. Punaise, ça a monté à 38 en cas en France. Ah oui, non, je veux pas commencer à parler de ça. Et un nouveau foyer avec deux filles et deux mecs. Très bien. Elle est folle, elle part toute seule. Bah, tous les Sims. Oh, commence pas. Ah, parce que t'étais en sieste depuis tout à l'heure. Connasse. Vivement que tu grandisses, toi, parce que franchement, tu me casses les pieds. Un jour. Bon, je pense qu'on va finir cette journée-là. Qui est en cours. Oh punaise, elle est dégueulasse, Perle. Va te prendre une douche. Pire, tu vas chanter sous la douche. Allez. Et puis, on s'arrêtera là, je pense. On t'ira manger après. Pulcote. Ça va être rapide, parce que... Ah ouais, tu me casses les pieds là, à pleurer l'autre là. Vas-y, pleure. Vas-y, pleure. Pleure. Allez, 9h, 8h.
Ça baisse bien. Hein. C'est bon ? Se donner des paroles d'encouragement. Pisser, douche. Il reste 5 heures. Encore un peu. Travaille de pulco dans une heure. Non mais tu vas pas aller... Non, tu vas aller pleurer dans le lit alors. Parce que ça marche bien pleurer dans le lit pour lui faire baisser. Ben voilà. Pourquoi je devrais pleurer? Je comprends pas. Parce que t'étais il y a 2 minutes, t'étais triste comme les pierres. Tu me fatigues. Tu vas aller au sport? Ça sert à rien. Le temps qu'ils descendent, il dira. Ah, j'ai oublié de les contrôler. Tu vas travailler dur. Tu vas réviser. Olé, olé, olé. Ça va, elle est bien remontée, Perle, parce que là, elle était dans sale état. Et il retriste. Il m'énerve. Mais arrête-toi! Oh, et chiante aussi, hein. C'est incroyable. Ah, la Gwen Dubois, j'en peux plus. Hein. Ouais, elle est déjà claquée, sinon je l'aurais tuée. C'est quoi sa robe de chambre à nuages? C'est la robe de chambre qu'il y a dans le Lord and Lady! Que je lui ai collé à elle aussi, parce que... Voilà. Je t'ai découvert récemment avec ton Decade... Ah, le fameux Decade Challenge. Ah, j'adore ce challenge. Qui touche bientôt à sa fin, les enfants. D'ailleurs, demain après-midi, j'enregistrerai le vendredi pour YouTube. Ça vous concerne pas trop, ce sera déjà fait. Je vais enregistrer l'épisode en fonction des votes. Donc, voilà. Pour lundi... Ce sera demain que je le ferai. 16,3, comme bientôt j'aurai mon mot dans un épisode. Oh, il y a encore quelques... Après, ça va te faire bizarre, hein. Tu te sentiras riche, puis pauvre, après. Moi, je parle bien toute seule aussi. Bah, et moi, alors, je parle à un écran. À deux écrans, un écran là. C'est pas mieux. Je pense qu'elle est partie nettoyer là-haut. Ouais, très bien. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure que c'était des Sims, normalement, c'était les résultats des combinaisons de vos Sims de base. Regardez, Drago. On avait dans le Notsoberry, avec Pepper, on avait une Sims qui avait les cheveux verts, qui était la collègue de Pepper, à la truc scientifique. Et son nom de famille, c'était Drago. Ben voilà, ça, c'est un descendant. Avec tes cheveux verts et chauves sur le dessus. Sexy, hein? Ça va, il est adulte, c'est normal du coup. Je pensais que c'était l'autre Fujita. Non, c'est. Bah non, finalement. Non, non. Donc elle nettoie. Pulcot, arrête de te morfondre, c'est pas possible. Tu auras jamais ta promotion avec tes conneries. 2 heures, allez. Temps libre. Pulco a terminé une tâche plus tôt que prévu. Que doit-il faire? Chercher une œuvre d'art, écouter de la musique. Quel est le rapport avec l'astronome. Enfin, les étoiles? Qu'est-ce que vous voulez? On cherche une œuvre d'art ou on écoute de la musique? Je suis pas prête à dire au revoir aux infos. C'est pas tout de suite que ça se termine, t'inquiète pas. C'est la challenge cette partie. Oui, Citizen, c'est le Notsoberry. Qui est le con qui a décidé de mourir? Un qui? Oh, ils sont chiants, ces Sims, n'empêche. Il est spécial, lui. Il est très spécial. J'aimerais bien faire un challenge, mais je sais pas quoi faire. Ça dépend ce que t'aimes bien, Saphir. Si t'aimes bien les trucs plutôt courts ou plutôt longs, s'il y a des tas de challenges qui existent. Parce que le mot vaut de l'or. Eh bah oui, c'est ça. Ça vaut très cher. La Zikmu, la musique. Allez, c'est parti. Petit gain de performance. On est ravis. Tu vas te morfondre. Oh! Ça l'a fait monter. En excellent. Puis comme ça. Regardez-moi ça. Ouais. Yes! Il va bien! Tu vas te promener dans l'univers et ça monte encore. Et ça monte pour la promotion. Le petit Pulco, il est plus fort que Tropico. Il va se faire des contacts. Oui! Les notes sont en haut! Sperl a eu un A! Mini a eu un B. Et Nuage a eu un A également.
Voilà. D'habitude, je les fais pas autant bosser les cours, mais je me suis dit pourquoi pas. C'est que tu commencerais pas déjà à avoir des abdos, toi? Ça me dégoûte. Elle fait du sport pendant 2 jours, ça y est. C'est la plus BG de l'univers, quoi. Ça me dégoûte. Demain, je vais faire du sport, alors. Ah, les relous, les gamines aussi, là. Allez, tu vas te prendre une douche, tu vas te calmer. Hop. Et toi aussi, allez. M'énerve, les gosses. On est quoi? On est mercredi, jour des enfants. Mais pourquoi le monstre, il est encore là? C'est pas normal, c'est la nuit. Pas à 15h. À 15h du matin, vous allez me dire, mais quand même. Et ça y est, maintenant les monstres, c'est H24 quoi. Tu sais pas quoi faire si t'écoutes de la musique? Ah bah écoute de la musique. Hé, il fait beau, cocotte! D'ailleurs, tu vas chanter une chanson folk. Brille, 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 petite étoile. Allez, tu vas chanter un coup. Et en plus, ça te fait monter. Et après, t'iras courir pour te changer les idées. Oui! Elle a une promotion! Ta 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 ta, tu vas boire une boisson énergétique. Bravo Nathalie! Oh dis donc, aujourd'hui, quel épisode de dingue, hein. Regardez-moi cette tête. Elle a eu une promotion! Elle gagnera désormais 6 simflouz de plus par heure, soit 38 simflouz de l'heure au total, également ce bonus 475 et bureau de professeur. Braval, ma petite Braval, tu vas pouvoir te prendre une douchette, tu vas lui faire le petit pipi parce qu'il y a 3 gouttes qui se perdent dans duel là. Et tu vas me servir le dîner. Oui, encore, je sais. Des gnocchis à la courge. Des bons gnognos. Des kikis. Ouais! Et donc, toi, à la base, je voulais te faire aller courir. Pour te vider l'esprit. Pour te faire gagner en plus l'état d'esprit que tu contrôles tes émotions, quoi. Et ça, c'est plutôt pas mal. Aller voir. Mais t'es grave, toi. Va faire tes devoirs, toi. Non, je m'en fous. Vas-y, tais-toi. Toi aussi, ça va? Bah écoute, tu vas faire tes devoirs alors. Hop. Elle. Elle est partie. Regardez-moi comment elle a maigri de ouf. Elle est partie croiser les gens, quoi. Elle est partie en train de montrer son body, là, et son beau cul à tout le monde. Pulcote. Ne pas oublier Pulcote quand même, ce serait dommage. Tu vas travailler dur, mon petit. Ça fait rien? Ah, si ça fait rien, c'est pas bien. Tu vas te promener dans l'univers, ça fait rien non plus. Faire des contacts? Bon, bah écoute, tu vas travailler dur tout court, hein. De toute façon, t'as bientôt fini, donc. Donc, c'est pas grave. Et puis, c'est bien, il va rentrer, il va réparer ça. Puisque c'est cassé. Et on arrivera peut-être à finir le bricolage. Là, je vais axer sur le bricolage, juste pour la fin du live, histoire de. Oui! Regardez-moi ce beau, beau, beau mec. J'adore de voir maintenant voir les Sims se balader en vélo. Ça fait vachement réaliste et tout. Thierry Roux. Je ne pense pas que ce soit un descendant. Mais pourquoi pas. Allez, mon petit, mets ton temps, prends ton temps. C'est beaucoup trop rapide, mon chou. Tu vas l'améliorer. Allez, attends. Non, 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 non. Me suis trompé-je. Rendre plus solide. Grâce à Pulcote et sa dextérité en bricolage, les meubles et les douches et les machins, on va les garder très longtemps. Je suis pas patiente. Tu les ajouteras quand les persos. Quand, entre aujourd'hui et la semaine prochaine. Brava la Nathalie! Je regarde. Oh, 95%. Ah, vas-y, t'arrêtes pas avant, hein. 98. 99. C'est gagné, les enfants. On a gagné. À fond la caisse à outils. Oui. Élémentaire, mais ça on le savait, on savait aussi déjà. Mais pourquoi ils me mettent ça? Zobe, Ponka, Inazorbs, Phoeba, Chimabu,
Le pauvre, il doit s'amuser. Il faut qu'il s'amuse. Vas-y, prends une portion. Tira. C'est cool. Ça veut dire que voilà, le dernier truc à faire avec Pulco, c'est le niveau 10 dans sa carrière. C'est la dernière chose. Vas-y, mon chou, fais ça. Voilà. Toi, t'es en train de courir. Tu peux pas éduquer ta sœur? Éducation. Non, t'as rien. Bah, reviens à la maison. Hein. Par contre, toi, tu vas l'engueuler, saleté, là. Je sais pas laquelle des deux c'est, mais discipliné, sévère, hurler. T'es celle-là? Non, bah, tu nettoies. Tira pisser. Toi, tira après sur l'ordi. Enfin, sur l'ordi, machin. Toi, tu rentres. Lui, eh bah, Pulcote! Pulcote, viens regarder la télé. On va peut-être éteindre aussi cette cheminée parce que. Flamber de l'argent! Oh, méchant, j'ai envie d'être plus désagréable avec les autres Sims, mais tu vas te calmer direct. Hein. Bon, je te le dis. Hein. Ou je t'enferme entre quatre murs, d'accord? T'as compris, wesh? Reboline! J'avais déjà fait des quêtes, mais sur 10 générations, j'ai trouvé ça hyper bien, mais trop long. Et j'ai vu ce matin que tu faisais sur 4 générations. Toi, du coup, j'essaye ta version. Ah, mais oui! Oui, c'est une copine qui me l'a créé parce que. À la base, c'était juste pour moi, mais. Mais voilà! Mais il n'y a pas de problème que les gens le fassent, mais. Mais en fait, ouais, elle me l'avait montré et j'avais kiffé. Et j'ai dit, par contre, c'est dommage parce que là, c'est hyper long, quoi, c'est chiant. Et en fait, elle l'a adapté. Et c'est plus réaliste, du coup, bah c'est encore mieux en fait. C'est encore vraiment. Les années passent plus vite et puis c'est vraiment un kiff quoi. Ah! J'aurais SMS. Attends sa réponse, meuf. Oh la pauvre, elle est dégueulasse. Est-ce que tu es rinté, bichette? Non, t'es juste cracra. Tu vas prendre ton bain. On va prendre un petit bain de mousse. Oh, je suis tellement fière de mon pulco. Plus qu'une seule chose, et puis la génération jaune pourra crever. Ce sera finito pour nous. Voilà. Est-ce qu'elles ont fait au revoir, les gamines? Hop, faites du travail supplémentaire. Allez, les intellos, là. Elle kiffe son bain. Je crois que tu vas te voir après. Arrête, doudou. Excusez-moi. Nuage a devenu un bon ami. Super. Ce changement, quand même. Au début de l'épisode, elle était toute rondouillette. Eh. Elle est bien fringuée, quand même. Hein. On va pas dire le contraire. Hein. Après, t'iras manger. Bien sûr, je nettoie pas ici, on a une femme de ménage, faut pas déconner. Hein. De toute façon, nos trois filles seront des crasseuses. Et Nathalie n'a clairement plus envie de faire les tâches ménagères. C'est quoi ça, SOS, SMS? Ça vient avec être parent, je crois. Oui, parce que ça influence tout ce qui est les qualités personnelles, donc c'est avec être parent. C'est tout des trucs à choix pour voir comment on éduque nos gamins, si grâce à nous, ils seront des personnes bien ou pas. Va, je regarde la télé, toi. Enfin, fais quelque chose, je m'en fous. Pulco, il est déjà couché, 22h. Oh, bichette. Oh, mais j'en ai marre de ce putain de monstre de mes. Mords-moi le zob, là! C'est bon, si on est fait un copain. Allez, va faire ta life, on s'en fout. Toi, tu te lèves. Viens ici. Pulcote aussi. Hop. Vous allez faire du sport. En chambre. Crac crac! Allez, un petit crac crac, ça faisait longtemps. On n'en a pas eu dans ce live. On va bien finir par ça. Elle fait ses devoirs. Touloulou. À chaque fois que tu dis Pulco, j'ai envie de dire Pulco citronnade. Eh oui, bah. C'est pour ça.
Oh, il a failli s'appeler Citron. Ça s'est joué à quelques votes. Parce que à chaque fois que je fais un prénom pour la génération, on essaie de trouver un prénom en fait, que quand on entend le nom, eh ben, on a la couleur en tête quand même. Comme Perle, parce que gris perle. Nuage, parce que ben nuage gris, hein, c'est logique. Et Mini, parce que c'est Mini la souris. Et une souris, c'est gris. C'est peut-être un peu plus recherché pour Mini, mais vas-y, Pulcote, va dormir. Allez vous coucher, là. Ouais, mais toi, tu vas manger, tu vas être couché. Va manger, Perlouse. Perlousette. Ce cul, mon Dieu. Regardez, hein. Elle a déjà des abdos. Bon, c'est normal, elle a le ventre en avant comme sa mère. En fait, elle est trop cambrée. Elle est vachement cambrée en avant. Donc, on pourrait pas croire, mais si, si. On espéra que les enfants que ces gamines auront ne seront pas mal foutus. Et toi, s'il te plaît, je veux que tu dormes. Pas que tu fasses une sieste. Merci. Allez, Perlouse, tu es la dernière levée. Perlette, Perlouse, Perle. Mais lui, la lampe monstre, ouais, on verra. Génération jeune, génération de l'espoir sportif, Sims. Oui, on va dire ça. Bah, c'est surtout la grise qui va être à fond sur le sport. Tandis que là, bon, bah, c'est plus autre chose, mais effectivement, il doit être quand même du niveau 10 au sport pour pouvoir réussir. Pourquoi tu te lèves, toi? Oh, je suis content, j'ai fait crac-crac, je suis content. Bah, dormir. Je sens qu'il a envie de faire du sport en pleine nuit. Allez, Perlouse! Non, mais bon sang! Il faut bien que je finisse mon épisode, les enfants, là, quand même. Allez, c'est parti! Moi, je mets sur pause, j'enregistre. Et je vous remercie d'avoir regardé cette rediffusion qui sera plus courte que les dernières fois, donc je suis contente. Je vous fais des très gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao!